à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles. Cette semaine, je vous présente Monsieur Apothéose, écrit par Julien Frey et David, publié chez Vent d'Ouest. C'est une histoire absolument sympa comme tout, qui donne le sourire, mais vraiment qui donne le sourire. C'est la rencontre de Monsieur Apothéose. Avec un nom pareil, il se dit c'est pas possible, mais il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Et ça, c'est depuis des générations et des générations. On raconte l'histoire du papa, on raconte l'histoire du grand-père, on raconte l'histoire de l'arrière-grand-père. Et franchement, c'est vrai que c'est vachement compliqué pour eux. Il voudrait changer de nom. On lui dit que tant que... Enfin, personne ne comprend pourquoi il voudrait changer de nom avec un nom pareil. Finalement, il n'y a rien de délicat là-dedans. Donc, vraiment la galère pour lui. Un jour, il rencontre à la terrasse d'un bistrot un écrivain qui s'appelle lui Monsieur Pépin. Ils sont là, ah ouais, quand même, Pépin contre Apothéose, c'est quoi le pire, quoi? Donc, a priori, l'écrivain, c'est quelqu'un qui a une notoriété, il a un public, il fait des dédicaces, etc., etc. Et Monsieur Apothéose, il est là, waouh, il a quand même de la chance, ce Monsieur Pépin. Toujours est-il qu'il part en vadrouille, parce que, évidemment, Monsieur Apothéose, il est un petit peu amoureux. Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas une histoire d'amour là-dedans non plus. Et avec Monsieur Pépin, il décide d'aller essayer de conquérir ou reconquérir le cœur de la belle. Donc forcément, il y a toute une histoire derrière. Je vous raconte absolument rien du tout. Forcément, ça fait vraiment sourire, ça fait vraiment du bien. Le dessin, il est vraiment top. Et c'est aussi le fait de se dire que chaque rencontre fortuite peut amener vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel dans notre vie. Voilà. Super album, en tout cas. Je vais vous présenter la question de la semaine, si ça vous dit. David, le dessinateur, hein, si vous faites bien attention, ça s'écrit D. A-W-I-D. Je vais vous demander pourquoi ce W. Il y a une raison réelle. Donc voilà, ce sera la question de la semaine. Premier qui répond à l'adresse au Jardin des Bulles. @orange.fr aura le loisir de découvrir ce super album. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt et des gros bisous.